Bonjour à tous, jeunes chevaliers, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Sensei Awakening Knight of the Zodiac. Donc pour cette vidéo, on va partir sur du Galactic Duel en espérant pouvoir tester Hypnose. C'est parti! Alors, premier adversaire. Voyons les compos. GKRC, Athéna. On va retirer Athéna. Il me banne Hypnose. On va essayer cette compo là. Alors, comment est son yoga? Avec une dent de dragon. Son Camus. Avec une dent de dragon. Son Shura. Non. Alors, ce que je vais faire tout de suite après, c'est que je vais mettre mon Shun GC sous Aphrodite pour être sûr qu'il ne soit pas gelé. Et donc, il pourra clean un personnage au prochain tour. Et là, on va focus d'abord son Shura qui sera le DPS le plus dangereux pour mon Mew. Ah, et j'ai oublié de mettre Aphrodite sur Shun GC. Bon, tant pis. Ça pourrait éventuellement me coûter la game. Faut juste espérer que ma Luna ne se fasse pas geler par le coup blanc de son Camus. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher Luna pour ensuite faire un double tour sur Shun GC qui ensuite va clean le Saga.
Ouais, monter son Mew, 3, 5, 4, 3. Donc là, on va doubler le tour de Shen. On va protéger Saga. Donc là, il a décidé de protéger son Mew. Et là, on va essayer de tuer son Shen Hadès dans le dragon qui proc. Team Freeze qui est toujours aussi insupportable à gérer, mais bon, faut faire avec. On va essayer de tuer la Luna. On va se débarrasser d'abord de son Shenades. On va essayer d'attaquer un peu son Mew. Mon adversaire qui sait pas qui me gelait. Et je vais geler la Luna. La partie qui va clairement être un duel de Mew. Mon Mew qui a été plus fort parce qu'il avait forcé la transformation du sien, ce qui avait réduit considérablement son pool de PV. Et première victoire. Et on y retourne. Alors, que joue mon adversaire?
Mais on va ban Athéna. On va essayer une team freeze. On va mettre Pog aussi. On va essayer comme ça, c'est vraiment un test. Deux, quatre, cinq, cinq, énorme. Alors. Alors je sais pas quoi faire encore. Bon, ça serait bien par contre que mon voilà ma croix de Pog se redirige un petit peu. On n'a pas de personnage gelé, par contre, nous on va pouvoir lui en geler 3. Camus qui a pris cher. On va partir sur du soin cette fois-ci. Ah, il va sûrement essayer de me geler un personnage. On va protéger Yoga. Et on va mettre une résurrection sur Camus. Shigo.
On va continuer de geler son équipe un maximum. On va transformer Mew et on va essayer vraiment de tuer son Hypnos le plus tôt possible. Son Hypnos qui est tombé. On va partir sur du dégât. On va reposer une marque sur son Ayolia cette fois. On va clean yoga pour pas qu'il se fasse geler. Et c'est terminé. On voit bien qu'Hypnose avec une Team Freeze, c'est vraiment très fort. On va en faire une petite dernière. Alors comme vous voyez, une gestion d'Hypnose, c'est pas évident, hein, parce que on peut choisir entre le soin, entre le ralentissement, entre les dégâts. C'est vraiment un panel de... Voilà, un gros panel de compétences à utiliser, un petit peu comme propose un petit peu Poséidon, hein, avec la graine, la vague, etc. Ce qui augmente d'autant plus les possibilités de stratégie. Alors, que joue mon adversaire? Voilà, compo avec Saga RC. Et ben, on va retirer Athéna. C'est chose faite aussi de mon côté. J'ai pas été très convaincu de l'utilisation de Pog sur la partie d'avant. On va essayer avec Ayolia. Ah oui, mais Pog aussi m'apporte une fée des marais. On va quand même laisser Pog, puisqu'il avait... Il avait quand même apporté quelque chose, mine de rien. On va réessayer comme ça. Faudrait que je réfléchisse à d'autres compos après le GD. Ah, son Pog là qui est extrêmement rapide quand même. Alors, on va cibler en priorité donc tous les personnages qui joueront à double tour. Alors déjà, on va essayer de se débarrasser du Shenhades assez rapidement. On va choisir dégâts. Et on va mettre une marque sur le Shen GC pour s'en débarrasser aussi rapidement.
Donc normalement, là, le Shun Hadès, pardon, qui est dans le cauchemar, ne devrait pas assister sur l'attaque de Milo. On va retirer une croix de Pog ici. Alors ça va permettre de tester. Est-ce que le Shun Hadès va assister? Et non, il n'assiste pas. On va faire une petite poussière de diamant pour empêcher son Mew de se transformer. Et on va mettre une toile sur son Shiryu GC pour le bloquer dans 3 tours. On va partir sur du soin cette fois. Et on va reposer une marque. Et cette fois sur le Shiryu. On va remettre une croix de Pog. Alors, je pense pas avoir besoin de poser une résurrection tout de suite. Alors, on va tenter le coup là, on va essayer de geler son Shiryu. Mais non. La croix de Pog qui se redirige. Dommage. On voit bien là que la diminution de vitesse de Shiryu GC a vraiment tout décalé en termes de protection. Du coup, ça lui a protégé son Milo et son Shun Hadès et non pas son Shun GC ni son Mew. Donc là, on va essayer de geler pour le prochain tour. Et on va essayer de tuer son Shun. Oh mon dieu. Le Thunder Wave là qui m'a massacré. Bah la game qui est complètement perdue. Je m'attendais pas à ce que la tempête fasse aussi mal. On dirait que c'est vraiment à force d'accumuler les dégâts sur les stacks d'hypnose. Ça fait très très mal. On va s'arrêter là pour cette session de Galactic Duel. J'espère que voir Hypnos en action vous aura aidé à mieux comprendre le personnage. N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne, mettez un petit pouce bleu, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut chevalier, ciao!